Donc, The Governator de David Hutchinson chez App Manga. Et franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben, en fait, c'est simple. C'est l'histoire de notre ami Schwarzenegger qui, en fait, reçoit une assistante. Donc, il commence avec c'est que des blagues, que des trucs un petit peu second degré. Elle lui demande s'il fait du sport. Elle lui dit non. Il dit bah maintenant t'en fais. Voilà. Il commence à faire de la muscu partout et puis il est interrompu par ces deux personnes qui arrivent là. Donc bien sûr Chuck Norris et Sylvester Stallone qui lui disent que les effets spéciaux deviennent de plus en plus sophistiqués et en fait il y a tout un conglomérat qui s'est monté pour se passer des acteurs et utiliser des hologrammes. Et donc Schwarzy va partir en guerre contre ce conglomérat pour remettre les acteurs, sinon il n'y aura pas de film d'action. Mais c'est tellement second degré, je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, on le voit là, donc il va chevaucher un missile quand même, notre ami Arnold. Il va atterrir en mode T-1000. Enfin, c'est n'importe quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était, je pense que dans la parodie, là, on est dans très très bon. Ça sortira jamais en France, les amis. Hein. Mais je me suis dit, ouais, quand même, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc voilà, une petite lecture complètement YOLO que j'ai trouvé vraiment marrante en fait, parce que pas prise de tête, parce que c'est un one shot, parce que franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens cette BD. Mais voilà, des fois, ça fait du bien de lire des choses où on ne se prend pas la tête. Je ne sais pas que tout doit être comme ça, mais franchement, là, je me suis dit, ouais. Alors, je ne connais pas du tout l'auteur, je ne connais pas du tout la maison d'édition, voilà, ça se trouve, ils sont pas recommandables, j'en sais rien. Enfin, j'ai passé un moment plutôt sympathique à lire ce truc. Enfin.